Épisode 3 d'une vie royale. Tempête. Oui, ma chérie. Tu sais que notre relation est compliquée car personne ne doit être au courant. Oui, je suis au courant. Enfin, je le sais, quoi. Je dois te dire quelque chose de très important. Oui. Tu veux bien me regarder droit dans les yeux au lieu de regarder vers là-haut, s'il te plaît. Oui. Quoi? Tu m'écoutes? Oui! J'ai un message! Manque de clé. Wouhou, il y a de l'amour dans l'air! C'est pas du tout ce que tu crois. Ah oui? Et pourquoi alors? C'est pour me dire comment les gardes vont. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Oui. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le message, c'est que. Ne me dis pas que t'as oublié le message. Bah, en fait, si, j'ai oublié. C'est pas grave, hein? Hein? C'est pas grave. C'est très grave. Bon, d'accord, c'était une blague. Le message, c'est que. Bon, alors. Eh bien, c'est que les espions, vous les avez pas envoyés en mission, mais ils étaient partis faire une promenade. Puisqu'ils sont ensemble, en fait. Ah, bah, je savais pas. Et ils racontent. Et en fait, ils ont trouvé un autre clan. Et. Et ben voilà. Et du coup, ils se sont enfuis. Et on est au courant qu'il y a un autre clan, donc faut rester sur nos gardes, s'ils m'ont dit de vous dire. D'accord, très bien, tu peux t'en aller, merci. Oui. Oui. Madame? Quoi? Désolée, Majesté. Qu'y a-t-il? Vous voulez bien venir avec moi? Je dois vous dire quelque chose en privé. D'accord. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, là? Qu'y a-t-il, tenez, maintenant que nous sommes en privé? Eh bien, j'aimerais bien que Marguerite revienne avec moi. Je l'aime, vous savez, mais je ne sais pas comment faire pour qu'elle m'aime. Je sais qu'au fond, c'est un vrai sucre d'orge. Et qu'elle m'aime. Tu sais, elle a un cœur de pierre. Vous êtes horrible, je vous déteste. Excusez-moi, mais enfin. Bon, d'accord. Ah oui, je dois passer chez les. Ah, comment elle s'appelle? Chez les gardes. Bah, je dois y aller. Tant pis pour Tempête. Je lui dirai une autre fois. Bon, qu'est-ce qu'elle fout? Elle devrait être revenue. Hé, toi, tonnerre! Oui. Oui? T'as fait quoi de Magnifica? Vous voulez me dire quelque chose? Ah, ben. Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle devait aller voir les gardes ou je sais pas quoi. Voilà. Elle est louche en ce moment. Bon, j'ai plus qu'à voir les guerriers et les prévenir qu'il y a un autre clan, au cas où. On sait jamais. Guerrier? Oui. Oui, Majesté! Nous avons trouvé un autre clan. C'est bien, bravo! Il commence à être insupportable, celui-là. Ah, bah. Tu commences à être insupportable, cacahuète. Oh, voyons! Oh, c'est pas bien! En plus, il tape sa coéquipière. On n'est pas vraiment coéquipiers. Ok? Ok. Bref, on a découvert un autre troupeau et est resté sur garde. Ok. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Viens avec moi. Tadam! Mettez-vous au clair, s'il vous plaît, tous les deux. Parce que le troupeau en peut plus. Quoi? Lui? Je suis en vacances, ok? Et j'aimerais bien que mes vacances restent des vacances sans voir cette gueule de merde. Wow, on se calme. Mettez-vous au point tous les deux. Ok? À tout à l'heure. Et je veux pas qu'il y ait de dispute. C'est pour le troupeau. Faites-le pour le troupeau. Hein? Voilà. Je t'aime. Grand comme ça. T'es moche. Et combien de fois je vais devoir te dire que je ne t'aime pas? Hey, c'est encore toi? Pourquoi tu viens la déranger là, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, le gros boulot là? Je suis pas un boulot. Et je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Espèce de con, dégage. Tu vois pas qu'on parle en privé? Vous êtes vraiment débiles, hein, tous. Je sais même pas pourquoi je suis venue dans ce troupeau, wesh. Je suis à t'aider, voyons. Dégage, mais vous
savez quoi, vous ressemblez tous les deux. En plus d'être débiles tous les deux, il vous manque tous les deux une oreille, au moins. Et au revoir, les nulos. Mais alors, ça a été mis au point? Non, et ça ne le sera jamais. Alors, essayez de me foutre la paix. Et en fait, je vais changer un petit truc. C'est pas ici, vous me foutez la paix. Merde alors. Quel caractère! Elle a un caractère de sauvage, celle-là. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et, Ah! Mes guerriers, revenez ici! Wouhou! Ils étaient rués. Ouais, dégage. Merci. Comment je dois faire? Je sais pas, ça a pas marché non plus. Craque pour elle, genre tu fais. Mais t'as vu comment il est son caractère? C'est pas de ma faute si t'as des mauvais goûts, hein. Si t'as pris une jument ultra difficile à draguer, hein. Elle est tellement belle, c'est justement son caractère fort que j'adore. Ouais, c'est une jument Camargue, ça va être pas si simple que ça. J'ai un frison, les frisons c'est les plus beaux. C'est une Mustang les plus beaux, alors tu te calmes. Possible de foutre la paix, non mais sérieusement. Et les revoilà qui discutent ensemble, mais je rêve. Qui a dit? Je dois dire quelque chose. Quoi, tu m'aimes bien sans blague? Je te ferai plus jamais chier. Je t'aime plus. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Je lui dis clairement d'arrêter, sinon il allait se faire virer du clan. Alors du coup, il m'a dit qu'il t'aimait plus et qu'il te ferait plus chier. C'était sa condition. Enfin, notre condition. Merci. Waouh. Quoi? Rien, dégage. Ok. Ça fait tellement bizarre. Je suis plus comme avant. C'est comme si je trouvais une autre part de moi-même. Attends, pourquoi je parle toute seule, là? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît! Oh non, j'ai plus d'amis, je vais m'ennuyer. Magnifica! Hey. Oui. Qui? Bonjour. Je veux finir les vacances. D'accord. Je sais plus parler. Tu travailles maintenant, à partir d'aujourd'hui. Voilà, hein, voilà. Comme ça, c'est fait. Et je viens de me ratatiner la gueule. Hey, hey! Ta gueule, dégage. Tonnerre. Oui. Je veux dire, oui. Merci beaucoup. De quoi? De ne plus me faire chier. Merci. Non, je vais pas lui faire une bise, c'est horrible. Merci, yo, poteau. J'ai trop de force, c'est pas possible, hein. Vous êtes tous des molosses. Aïe, putain, j'ai mal. Quelques heures plus tard. Eh oh, Magnifica? Oui? Tu n'as pas vu Marguerite? Tu lui veux encore du mal? Non, mais je l'ai pas vue et normalement on est ensemble pour faire les gardes et c'est notre tour. Non, je l'ai pas vue, c'est bizarre. Marguerite? Attends, prends ton plus beau air. Marguerite? 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 Elle respire plus. Je vais vite l'emmener au clan. Marguerite ne respire plus. Quoi? Comment ça? Je l'ai trouvée là, par terre, là-haut. On l'a cherchée, tiens. Ah, toi, c'est pas le moment à l'emmerder. Non, mais on a fait un accord et... Ah oui, tu m'avais déjà dit que tu le ferais. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire noir? Rien. Tant mieux, parce que t'es un gars, il était pas censé pleurer. Hein. Ouais. Marguerite. Mais arrête, tu vas lui faire mal. Oh, c'est pas ma faute, hein.
Regarde, faut être gentil. Ça, être gentil, non mais tu rêves. C'est quoi, tempête? Débrouille-toi tout seul. T'allais dire toute seule et je suis pas une fille. Débrouille-toi tout seul. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? On est ensemble, pourquoi j'ai fait ça? Hein? Rien, toi. Bah, surveillez-la. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Écrire noir? Marguerite, réveille-toi! Oui! Continue! Qu'est-ce qui se passe? Tada! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je t'ai trouvé là-haut, tout seul. Tout seul, et puis... Merci. Infiniment. Waouh. De quoi? De m'avoir sauvé. Pourquoi? Bah en fait, j'avais pas bu depuis des jours et des jours, donc j'ai dû faire tomber dans les pommes, quoi. Ah. Je suis désolée. C'est rien. Je dois dire quelque chose. Quoi? I love you. Hein? Je t'aime. Tu dois plus te sentir très bien. À bientôt. Hein. Ou peut-être jamais. Bon, ma déclaration a pas marché. Alors je vais devoir l'embrasser. Oh non, je sais pas embrasser les filles, moi. Lolololol. Orage! Oui. Conseil de gars. Affirmé. Tu me dois 5 dollars. Pourquoi? Pour les conseils de gars. Ouais, mais ils ont pas marché. Je m'en fous. Je sais pas embrasser. Mais c'est pas grave. Genre, tu viens près d'elle, tu fais bonjour. Ah, hein? Ah, c'est qui lui? Waouh, salut, t'es canon toi. Ouais, elle a changé. Je me barre. Je t'aime. T'es trop drôle, toi. Tu sais. Faut que je me baisse. C'est pas vrai. Fais chier. Aou. Aou. Je t'aime. T'es sérieux? Tu m'aimes? Moi? Une mocheté? Une honte? Une mademoiselle formidable. Ok, je veux bien qu'on sorte ensemble, mais tu dis à personne. Ok. Qu'est-ce qui peut être sous la tempête? Ah, en parlant du loup, je viens auprès de toi pour m'excuser. Ah, parce que ça t'a pas suffi de m'énerver? Vas-y. Je viens auprès de toi pour m'excuser, et ça sert à rien de t'excuser. Hein. J'ai toujours aussi de la haine pour toi. Pardon. Je sais que c'était pour ça, mais je t'aime, c'est pas? Et qu'est-ce que tu voulais me dire la dernière fois? Je voulais te dire que je suis enceinte. Quoi? Et c'est qui le père? C'est toi, gros nigo. Je savais pas comment te l'annoncer. C'est pour ça que des fois je suis incontrôlable. C'est une bonne nouvelle, non? Oui! Très bonne! C'est pas vrai, je vais avoir un tas de fromage. Mais tout le monde va être au courant de notre amour, alors. Il faut qu'on dise réunion. Si je vous ai réunis tous aujourd'hui autour de moi, c'est pour une très bonne raison. Oh, je me demande trop, c'est laquelle? Tu crois qu'il m'aime? Bah non, t'es trop moche, hein. Je sais pas si t'es au courant. T'es sérieuse? Ben ouais. Alors toi, tu me traînes moche? Mais tu t'es pas regardé en face, hein? Parce que toi, t'es... Je suis quoi, hein? Hein? Tu ressembles au cul de d'Oreo, là. T'es sérieuse? Ben ouais. Et c'est pas sympa ce que vous dites. Ouais, mais c'est pas de ma faute si t'es moche, hein.
Moi moche? T'es sérieuse? T'es regardée toi? Ah bon, cassé, tu vois que t'es moche. Et s'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Je dois vous dire quelque chose. Moi aussi, chef. Qui y a-t-il? Éclair noir. J'aime. Tu aimes? Marguerite. Nous nous aimons. Et c'est la vérité. Et plus que tout. Voilà. Et nous deux, on s'aime, on a eu un poulain. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Les poulains rejoignent vos parents. Voilà. Et bah, nous, on a eu celui-là. D'accord. Bah, moi aussi, j'aime quelqu'un. J'espère que c'est pas mort. On peut rester ensemble? Oui, bah, bien sûr. Et c'est quelqu'un, c'est magnifique. Et elle est enceinte. Ouais, on se calme, ok? Et voilà, on s'aime. Et elle est enceinte et embrasse-moi, Cornito.